aujourd'hui pour un haul action. Alors, je vais essayer de faire vite, hein, puisque je pense que vous avez déjà vu certaines vidéos, enfin des vidéos qui présentent les nouveautés chez Action. Moi, j'ai trouvé quelques nouveautés dans mon magasin Action. Donc, je vais vous montrer. Et puis, je vous montrerai aussi deux, trois petites choses que j'ai trouvées chez Noz. J'avais vu sur des groupes Facebook de un arrivage de matériel de scrap. J'y suis allée, j'ai pas trouvé. Je voulais notamment, j'avais vu des classeurs d'embossage sur les groupes, il n'y en avait pas. Par contre, j'ai trouvé deux trois petites choses, donc je vous montrerai. Donc, les nouveaux papiers, enfin blocs papier chez Action. Alors, il y en avait quatre, enfin oui, quatre, enfin trois autres avec celui-là. J'en ai pris qu'un, les autres me plaisaient pas forcément. Donc, je vous montre. Vous voyez, c'est vraiment là, c'est vraiment, on va dire, fleurs. Ouais, c'est vraiment, oui, c'est dédié aux fleurs. Voilà pour ce bloc-là. Ensuite, du coup, j'ai trouvé après ces blocs-là. Alors, hop. Donc, les Oui, 4. Donc j'ai pris les 4 parce que j'étais. Enfin, j'ai trouvé sympa. Donc je vous montre. Celui-là est vraiment couleur peps. Et puis en même temps, on a effet un peu aquarelle, notamment. Hop, hop, hop. Ouais, celui-là, là, à la fin. Donc, pour celui-là, après celui-là, sur le thème de la jungle. Oui, c'est ça. Après, ça peut aussi bien servir pour des albums que de la carterie. Plus Action, il y avait eu des papiers. Des mini blocs de comme ça savane, donc bah ça peut très bien aller avec. Voilà. Après, au niveau des prix, hein, c'est autour de 1,50, entre 1,50 et 1,70. J'ai plus exactement en tête celui-là sur les fleurs aussi. Donc, il se complète pas mal avec l'autre, je trouve, au niveau des couleurs. Vous voyez, ça, c'est le rose. Une page d'album. Celui-là, je l'ai trop. Enfin, ce papier-là, il est joli comme tout. Celui-là, il est trop beau. Papillon, il y a un. La couleur peps, ça fait un effet aquarelle en même temps. Il est trop joli. Ça fait penser aussi, enfin celui-là, du papier à lettres. Donc voilà. Pour celui-là et le dernier, ben, on a un peu pareil dans le thème jardin. On a des petites filles. Enfin, des femmes, petites filles, des femmes. Vous voyez, hop, des cœurs. Donc, voilà pour les blocs de papier chez Action. Après, du coup, j'ai pris ces stickers. Alors, c'est hop. Donc c'est sur le thème, pareil, savane. Je les avais pas vus la dernière fois. Peut-être que j'ai mal regardé quand j'en ai déjà pris hein, lors d'un précédent haul. Je les avais pas vus. Et du coup, je me suis dit avec les papiers, ça n'aurait pas faire mal, notamment pour faire un album. J'en avais trois. Je dois en avoir trois. Donc le deuxième,
sur les animaux. Enfin, les chiens surtout, oui, les chiens. Hop, le petit chien. Oui, il y a des chiens là. Oui, oui, il y a peut-être une tête de lapin là. Tête de lapin. Ah si, il y a des chats. Il y a un lapin. Donc ouais, sur les animaux domestiques. Et je pensais que j'avais un troisième. Ah si, il est là. Il est là. Et le troisième, du coup, c'est celui-là. Et c'est sur hop, tout ce qui va être loisir créatif. Donc c'est pareil. Pour de la carterie ou un album. Faire un album avec les créas que l'on fait par exemple, ça devrait pas être mal. Et ensuite, hop, donc j'ai trouvé les nouveaux dies. Donc je fais vite, hein, parce que je pense que vous les avez déjà vus. Je les ai pas découpés, ils sont pas déballés, puisque du coup je reviens de chez Action. Donc je ne les ai pas essayés. Après j'ai vu qu'il y avait des hauls hein, qui montraient les découpes. Donc voilà, donc là c'est, bah, c'est ça, c'est ce petit dessin là. Attendez, hop. Est-ce que je vais y arriver? Donc c'est la petite maison. Voilà. Donc 3,39. Hein. Après, celui-là, j'adore. Les poissons. Mon album là de retour de vacances. Celui-là, donc. Sur la montagne avec la petite caravane. Hop, celui-là. Sur le thème anniversaire. Celui-là. Sur le thème de la forêt. Hop, avec les petits écureuils. En album spécial automne, de la carterie spéciale automne. Celui-là, bah, pour Noël. Pour les fêtes de fin d'année. Non, je cherche à tout près à vous montrer ça, mais c'est ça que je veux vous montrer. Hop. Là, franchement, je pense que dès que je peux, je vais essayer de faire une carte checker. Avec de la mousse 3D derrière les découpes. J'essaierai et je vous montrerai dès que je peux. Hop, celui-là, le petit oiseau. Hop. Donc c'est tous des ronds, sauf du coup le dernier. Il est aussi joli. C'est une petite rose. Voilà. Voilà, voilà. Et ce n'est pas tout. Oui, 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 oui. Ces dies-là sont arrivés dans mon Action. Donc, pour celles qui disent quelle action ? Je suis en Indre-et-Loire, comme je vous l'ai déjà dit. Donc, j'ai trouvé les dies en Indre-et-Loire dans le Action de Saint-Cyr, si ça vous intéresse. Alors, après, il n'y en avait qu'un jeu. Hein. Enfin, qu'un jeu. Voilà, il n'y en avait pas. J'en ai pas vu. Alors, si, il y avait peut-être celui-là qui était en double. Mais après, je vais vous montrer un peu après. Hein. En détail, par exemple, la tortue, je l'ai pas vue, c'était la seule. Quoi. Celui-là, je l'ai vu deux autres fois, et après, ouais, c'est vraiment, donc à mon avis, enfin, le monsieur à la caisse me disait que c'est sûr qu'il n'en recevait pas des masses, quoi. Mais que ça allait revenir. Après, c'est pareil, je les ai trouvés avec l'ancienne collection, vous savez, la collection où c'était tout rose. Il y avait une petite fille. Donc peut-être qu'il faut. Enfin voilà, j'ai fouillé en fait derrière et ils étaient mélangés avec les autres.
Donc, j'ai eu le réflexe d'aller quand même fouiller. Donc, n'hésitez pas peut-être à regarder derrière les anciens. Ils étaient de la même grandeur, hein, ils étaient tout roses. Donc, je vous les montre. Donc, celui-là, des petites tulipes. Je les ai tous pris, hein. J'en ai trouvé 12, je les ai pris. Hein. Hop, la petite fleur. Le petit oiseau. Là. C'est peut-être celui-là qui est un peu le moins bien. Puis les. Bon, après, par exemple, ça, bon. Tu auras toujours à faire de la carterie avec celui-là. Alors, j'aime bien. Parce que du coup, il y a marqué fait main en anglais. Bon, c'est de l'anglais. Ça aurait été mieux en français, mais bon. Action, c'est de l'anglais forcément. Ça, New Home pour un anniversaire. Celui-là, franchement, il est trop beau, quoi. Et la tortue, elle est assez grande en plus. Donc franchement, la naissance, les petits signes. Et puis ça, la petite bannière, alors j'ai trouvé ça hyper original. Bon, c'est de l'anglais encore. Mais c'est pas grave. Ouais, la façon dont c'est écrit. Vous voyez, ça fait des petites bannières. Comme les guirlandes qu'on met au mur, en fait. Et ceux-là, les dies-là, ils étaient à 2,49. Donc ouais, franchement, je suis contente de les avoir trouvés. J'y croyais pas. Hein. Après, je vous dis, j'ai fouillé derrière. Je me suis dit, oh, il y a une couleur qui. Je crois que le premier que j'ai vu, c'était celui-là. Donc forcément, il est rose. Je me suis dit, bon, bah c'est toujours les mêmes, quoi. Puis en regardant, après, il y avait celui-là derrière. Je me suis dit, ah, fouillons derrière, voir ce qu'il y a. Et je les ai trouvés. Donc franchement, ouais, ils sont tous bien. Après, moi, celui que j'aime le moins, enfin, celui que j'aime le moins, c'est peut-être celui-là. Celui-là. Après, c'est sympa la petite clé là, c'est sympa. Mais voilà, c'est pas mon coup de cœur non plus. Et après, bah, celui-là, c'est des branches, quoi. Donc, enfin, des feuilles, du feuillage. Mais franchement, on trouve toujours à faire avec du feuillage quand même. Donc, pour 2,49, je les ai pris. Après, qu'est-ce que je vous montre? Je vais vous montrer ça. Je les avais sortis de la colle chez Leclerc. Ils étaient en promo, les 10 tubes. Alors, je ne sais pas si ça colle ou pas. Je vais essayer. Mais je crois que c'était 1,18 les 10 colles. Donc, je me suis dit, ouais. Prends-les, essaye et tu verras. Du coup, chez Noz. Chez Noz, chez Noz. Chez Noz, il y avait un arrivage. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, de scrapbooking, j'avais vu ça sur les groupes Facebook. Et bah, chez moi, donc à côté du Action, il y a un nouveau, ça Saint-Cyr, hein, pour celles qui sont de la région. Et je suis allée voir et j'ai pas trouvé. J'avais vu notamment sur Facebook, encore, je me répète, des classeurs d'embossage, 99 centimes, je crois. Franchement, à ce prix-là, quand on voit les classeurs d'embossage, pourquoi se priver? Et bah malheureusement, il n'y avait pas je vais y arriver, classeur d'embossage. Il y avait aussi un arrivage de la marque Big Shot, des matrices de découpe. Et bah moi, il n'y avait rien. Il y avait juste un. Pour faire un sac, enfin, ils appelaient ça, oui, mais ils appelaient ça sac, pour faire une pochette hibou, quoi. Mais. Ouais, ça me disait rien, donc bah, du coup, j'ai pas pris. Par contre, j'ai trouvé deux petits tampons bois qu'on peut trouver dans n'importe quel magasin de loisirs créatifs. En général, c'est 3,50 voire 4 euros. Hein. Moi, si je me souviens de mes prix, enfin des prix chez Cultura. Et là, ils étaient à 99 centimes. Donc, du coup, j'ai pris bah, les deux modèles qu'il y avait. Donc, tout ira bien. Et l'autre, je vous montre en même temps, je remets l'étiquette dessus. Hein. Félicitations et bonne chance. Donc 99 centimes. Je les ai pris. Et après, du coup, il y avait
C'était avec les tampons. Mais du coup, c'est des petits boutons. Donc, dans les petits flacons comme ça, 79 centimes. Que ça soit. Je fais aussi. Enfin, comme je fais de la couture, je me suis dit ça peut me servir pour en couture ou pour le scrap. Notamment quand je fais les cartes chemise, que ce soit fille, femme ou homme. Donc voilà, là c'est du couleur marron. Là on a du rose très très pâle. Là on a du bleu, pareil clair, ça pour une carte de naissance. Le rose pareil, carte de naissance fille. Direct quand je les ai vus, j'ai pensé à ça. Après on a du jaune. Et puis c'est de la marque. Et puis les petits rouges. Donc voilà. Voilà ce qu'il y avait chez nous. Je suis en train de regarder. Ah non, il y avait ça aussi. Il fallait que je vous montre ça. J'ai trouvé donc à côté des. Je vais y arriver, des tampons. Alors, il n'y en avait pas des masses. Ce sont. Vous voyez. Des anneaux, en fait. Donc, je me suis dit, pour un album de scrap, pourquoi pas? Je vais vous montrer. Alors, il y a plusieurs dimensions. Celui-là, c'est du 9. Hein, vous voyez, 9 mm. Alors, ils sont souples. Donc, là, c'est du rose. Donc il y en a 3 et ils sont à 99 centimes. Donc autant dire que c'est pas cher. Celui-là, c'est du orange, il est dur. C'est en 18 mm, donc un peu plus grand. Après, j'avais, enfin, il n'y avait que ça comme couleur. Hein. Sur la boîte, ils en ont plusieurs. Alors, après, ils sont souples. Hein. Vraiment souple, vous voyez. Donc à voir comment faire pour un album en scrap. Là, pour le retour des vacances. Parce que je ne suis pas encore partie en vacances. Je pars qu'en septembre. Donc, il va y avoir des photos. Donc qui dit photo dit album. Ben, je vais y arriver. Celui-là, c'est un 18 aussi. Ben, je crois que celui-là, il ne veut pas. Il peut pas m'aider. Alors c'est pareil, hein, c'est toujours de cette marque-là. Je crois que celui-là. Ah si. Et celui-là, c'est ouais, c'est du bleu pétrole, quoi. C'est pas noir, c'est bleu pétrole. Donc bah, pour les filles qui font des albums, hein, n'hésitez pas à aller chez Noz. Alors après, par contre, j'ai vu. Que ces anneaux étaient conçus uniquement, hein, forcément, quand j'ai vu ça, j'ai vu le prix, je les ai pris, mais après, je me suis dit, je trouverais bien un moyen quand même de mettre les feuilles de scrap, enfin, faire un album avec. Parce qu'en fait, il y a marqué que du coup, ces anneaux en spirale sont conçus exclusivement pour l'utilisation de ce système de reliure. Donc, je pense qu'il faut cette machine qui va avec. Moi, j'ai une machine à relier, quoi. Mais après, bon, je pense que je trouverai toujours un moyen, quitte à mettre enfin, les papiers, enfin, l'album. La couverture quoi, autant essayer avec un papier que faire tout l'album et puis faire des trous et après s'apercevoir que ça ne va pas. Donc je pense que même des trous à la perforatrice et puis ce qui est pas mal c'est qu'on peut les couper comme c'est ils sont en plastique et puis c'est vous voyez ils sont flexibles quoi, enfin c'est tout mou quoi, donc on peut les couper. Donc à essayer. Après 99 centimes.
Pourquoi s'en priver? Donc j'ai pris ce qu'il y avait, enfin il y en avait d'autres, hein, j'ai pas vidé l'étalage, rassurez-vous. Il y en avait d'autres, mais il n'y avait que ces couleurs-là. Donc voilà. Bon après je suis un peu déçue, j'ai pas trouvé de classeur d'embossage, mais une vendeuse me disait que au niveau du magasin de Saint-Cyr, il y avait toujours un peu de retard au niveau des arrivages par rapport aux autres magasins. Donc ça se trouve, d'ici une semaine, 15 jours, il y aurait ce fameux arrivage de scrap qu'on voit un peu partout sur les groupes. Donc eh bien, écoutez, déjà 20 minutes de vidéo, c'est déjà pas mal. J'espère que je vous ai tout montré. Normalement, oui. Dès que je fais des essais, je vous montre tout ça. Ça sera pas de suite puisque je suis en plein déménagement. Donc, ben, autant dire que tout le loisir créatif, scrapbooking, tout est dans les cartons et tout est déjà parti. Donc, je n'ai plus rien sous la main. Et puis après, du coup, c'est les vacances. Donc, j'ai quand même 2-3 vidéos d'avance que je vous mettrai, que je vais programmer de façon à ce que vous puissiez les avoir. Après, c'est des tutos, hein. C'est des tutos de cartes avec notamment du matériel action. Voilà. Que vous dire d'autre? Que vous dire d'autre? Bah, rien. Du coup, j'espère que quand même ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Si vous refaites mes créas, n'hésitez pas à m'identifier. Ça me fera hyper plaisir de voir d'autres, enfin des réalisations avec des papiers différents. Et puis bah ça peut donner aussi des idées. Écoutez, voilà. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!